Comment vous vous sentez là? Ça va pas être un week-end sympa. Ça va pas être un week-end entre copains. Ça va être un week-end intense, ça va être un week-end de transformation. Vous allez beaucoup changer, vous allez beaucoup vivre pendant ce week-end. Il y aura des moments d'intimité, il y aura des moments peut-être de larmes. Il y en a certains qui vont exploser ou se livrer, parfois plus que d'autres, parfois d'une façon particulière. Vous allez parler de choses pour certains que vous n'avez dites à personne. La première règle, c'est la règle de confidentialité. Tout ce qui est dit, tout ce qui est fait pendant ce week-end reste pendant ce week-end. Tout doit rester secret. Lâche, Nico, lâche, lâche. Vous avez tous une valeur inestimable qui n'est pas remise en question et qui ne sera pas remise en question pendant tout le week-end. Si je vous challenge, si je vous tire dessus, je ne remets pas en question votre valeur. Mais je remets en question le fait que vous me dites peut-être des conneries, du bullshit, que vous mentez à vous-même ou aux autres. La deuxième règle, c'est la règle de vérité. Tu mens peut-être à tes proches, tu mens peut-être à tes salariés, tu mens peut-être à tes collègues. Donc pendant ce week-end, vous avez un espace où vous devez dire la vérité. Prends ton rendez-vous. La règle d'engagement. Allez! Il est important de jouer le jeu à 100%. Quelle est ton intention, Michel? Vous ne comprendrez pas forcément à quoi ça sert. Visuel sur ce qui se passe en face! Trouvez le bon moment! Allez, Jonathan! Certaines activités, certains exercices, vous les trouverez peut-être pénibles, d'autres difficiles. Faites des pompes, sont trop longs. Allez, 20 squats! Allez, c'est parti! Sortez-moi, mon bras! Allez, 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 allez! D'autres faciles, peut-être inutiles. Et je vous demande juste de faire confiance au processus et d'être engagé à 100% dans chaque événement. Et dire, putain, je l'ai fait, tu vois. Ouais! Pousse, 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 tu vas, tu vas, tu vas, seul, ne l'aidez pas, ne l'aidez pas. Allez. Bon, 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 bon. C'est bien. La règle d'immersion. On n'aura pas de contact avec le monde extérieur pendant ce week-end, mais je vais vous demander de rendre vos téléphones maintenant, si c'est pas déjà fait. C'est fait. Moi, ma promesse, c'est pas d'être votre gourou, de vous expliquer la vie. Je vais simplement vous apporter pendant ce week-end un espace de transformation. Vous êtes dans un environnement où vous êtes valorisé en haut. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ça, mais c'est ce qu'on va créer aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que vous ne serez pas la même personne à la fin de ce week-end. Et pour ça, je vous demande simplement de suivre le processus, de faire confiance. Vous analyserez, vous réfléchirez à tout lundi. Pour l'instant, on est en immersion. Allez, vous avez 10 secondes pour vous cacher. 1, 2, 3, 4. Revenez ! Yeah. Allez, encore. Oh, allez, ça monte. Allez. Ça monte. Le choc, il est réel, forcément. Il est psychologique, il est physique. Oh putain. On est inspiré, bouleversé, et c'est ce que j'attendais. Vraiment. C'est une belle aventure. C'est certainement le plus bel investissement que j'ai pu faire cette année sur moi-même. On est fiers de toi aussi. T'aimes. On peut lâcher. Si c'était à refaire, je le referais. Yes! Je suis très fier d'avoir partagé ces moments-là avec chacun. Ah, putain! Allez. Vas-y, c'est bon. Et je souhaite à tous de vivre cette expérience-là. J'ai attendu. J'ai attendu que ça se réapplique. Je suis déchargé de choses pesantes et je suis chargé de très bonnes choses. De très belles énergies, de très belles rencontres. Très fier d'avoir participé à cette immersion. On a tous nos soucis et on partage tout. On est là pour les autres, ils sont là pour moi. Et très heureux d'avoir rencontré Nico qui est vraiment une belle personne. Je me sens libéré, apaisé. Il faut le vivre, il faut le ressentir. Ça vient du fond, là, tu vois. Il y a des trucs qui étaient là, tu les sors, putain, sors-les d'ici et tu vis. Je ne lâcherai rien, vas-y. Lâche jamais. Lâche jamais. Ouais. Et quand tu as fait ce week-end? Je pense que c'est ça que je vais retenir du week-end, c'est le côté où en fait il n'y a pas de limite. Allez. Les limites, on se les fixe nous-mêmes et là j'ai plus envie de me fixer une limite, mais dans aucun domaine.
que ce soit sportif ou dans ma vie de tous les jours, je veux plus de limites.